Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc à cette premier Fort Expresso de la semaine. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. La semaine qui arrive va être chargée. Il y a 6 réunions de banque centrale, dont la première d'entre elles, la Fed, qui se réunit mercredi. C'est elle qui ouvre le bal. Jeudi, on aura la suite. Alors, qu'attendre de la Fed? C'est la grande question. Il y aura deux interrogations. Est-ce que la première, est-ce que la Fed va accélérer son tapering? On sait que l'inflation, bien qu'elle soit sortie en ligne vendredi, elle est quand même très élevée et beaucoup d'études montrent qu'elle pénalise les ménages aux revenus les plus faibles. Donc la Fed doit agir. Est-ce qu'elle ira plus loin que ce qui est envisagé par les marchés? C'est la première question sur la réduction du rachat des programmes d'actifs. Deuxième question, est-ce qu'elle va modifier ses prévisions, ce qu'elle appelle les dots, qui vont engendrer ensuite la hausse des taux? Donc, est-ce qu'elle va accentuer ses prévisions pour aller vers une hausse des taux dès le printemps 2022? Pour l'instant, le marché anticipe une hausse, 50% de chance d'une hausse avant mai. Pour mai 2022, pardon. Donc, ça sera la deuxième question à suivre. Difficile, bien sûr, de répondre avant que la réunion ait lieu. Pour l'instant, on va le voir à l'écran dans 2 minutes. Le dollar reste stable dans l'attente de cette réunion. Jeudi, donc, la Banque Centrale Européenne et la Banque d'Angleterre. La Banque Centrale Européenne, peu de chances qu'on ait un début de durcissement de politique monétaire, même si les prévisions d'inflation risquent d'être revues à la hausse de la part de la BCE, ça sera une première indication. Et ensuite, la Banque d'Angleterre, on attend 15 points de base de hausse. J'aurai l'occasion bien sûr de reparler de tout ça. Mais vous savez que Omicron, le variant du coronavirus frappe fort en Angleterre et ça pourrait peut-être ralentir la BOE dans son durcissement de sa politique monétaire. On prend connaissance de l'avertissement sur les risques et on se retrouve tout de suite après. Voilà, vous avez à l'écran le dollar. Alors, on m'a posé comme question. Est-ce qu'il faut traiter pendant le mois de décembre puisque la volatilité est souvent plus faible? Alors ma réponse c'est non parce que je pense que la volatilité pour le coup elle peut exploser lors de cette semaine avec les réunions des banques centrales. Par contre effectivement la semaine avant Noël, on va dire la veille de Noël, jusqu'à la première séance de janvier, la première séance de l'année d'après, là, effectivement, la volatilité, elle risque d'être au ras des pâquerettes et il risque de ne pas se passer grand-chose. Donc, prenez une semaine de vacances, à minima, et vous serez en pleine forme pour repartir à la rentrée. Parce que effectivement, souvent, il se passe rien dans cette semaine entre Noël et le premier de l'an. La plupart des grandes banques des opérateurs des grandes banques sont en vacances et donc ils ont fermé leur position. Bien sûr, ils ont bouclé l'année et donc ils se positionnent pas de la même façon. C'est sûr que c'est pas maintenant qu'ils vont commencer à prendre des risques pour faire leur résultat annuel. Donc, même si il y a des mouvements suite aux réunions des banques centrales, peut-être que ça viendra pas d'intérêt spéculatif, mais plus d'intérêt à long terme. Mais en tout cas, le calendrier fait que cette semaine sera chargée et que la volatilité peut exploser. Donc, il faut surveiller. Le dollar, donc à l'écran, vous voyez cette stagnation depuis maintenant plusieurs séances. On est toujours dans une tendance haussière, puisqu'on est au-dessus des moyennes mobiles à 13-34 périodes, qui elle-même est au-dessus de la 200 périodes qui est. Enfin, il y en a deux qui sont ascendantes, une qui est plate, la plus courte, et qui montre bien que nous sommes dans une période de consolidation. Donc, au-dessus de ce support à 95,48, on reste haussier sur le dollar. L'euro-dollar, maintenant,
l'euro-dollar qui vous voyez aussi est dans un range de consolidation ici entre les deux. Le plus haut de cette séance et le plus bas de cette séance, qui était une séance tout à fait équilibrée et qui depuis sert de support et de résistance. Donc 1,1383, j'en ai beaucoup parlé, c'est la résistance. On garde un biais baissier, mais effectivement, tant qu'on n'a pas cassé. Alors il y aura une première indication quand même ici sur 1,1250. Si 1,1250, vous voyez, hein, ça correspond au plus bas d'aujourd'hui, mais aussi de ce doji. Donc 1,1250, ça sera une première indication que la baisse pourrait reprendre. Mais la cassure de cette longue mèche basse ici sur 1,1230 donnera certainement le signal qu'on, à minima, aille vers cette zone de support entre 1,1170 et 1,1175. Alors la cassure avec clôture en dessous de cette zone sera très baissière. En attendant, on s'abstient d'intervenir sur l'euro-dollar qui fait du surplace. Ça va être la même chose sur le câble. Alors le câble, il a cassé quand même. Vous voyez cette oblique baissière qui faisait office de résistance, mais elle est toujours chapeautée par cette moyenne mobile à 13 périodes. Et donc, difficile de se positionner long malgré ces mèches basses. Ça semble donner un signe de reprise, en tout cas que les acheteurs sont présents. Mais est-ce que ce sont des rachats de short, des gens qui étaient vendeurs et qui se sont rachetés, ou est-ce que ce sont des acheteurs à plus long terme? C'est très difficile à savoir parce que pour l'instant, on n'a cassé aucun sommet et même cette bougie haussière n'a pas été confirmée. Donc, on reste en stagnation aussi sur le câble, en équilibre. Et pour l'instant, le biais baissier de plus long terme n'est toujours pas invalidé et reste présent. L'AUD USD, puisqu'on reste sur les devises majeures, alors lui, c'est plus intéressant parce que il a n'arrive pas à dépasser cette droite de polarité à 0,7175. Vous voyez qu'il a essayé à 4 reprises ce matin encore lors de la session asiatique, mais à chaque fois il y a des mèches hautes qui apparaissent et une clôture sous ce niveau. Donc ce niveau est vraiment à surveiller. Si on reste sous 0,7175, on a un biais qui est baissier et on va privilégier les trades short. Par contre, si on arrive à clôturer au-dessus de 0,7175, on pourrait repasser long, mais pour l'instant, avant la réunion de la Fed, difficile de savoir vers quelle direction il va se diriger. Mais vous voyez que là encore, on a plutôt un biais baissier puisqu'on n'arrive pas à dépasser cette résistance majeure. Donc sur toutes les paires contre dollar, en fait, on a un biais haussier dollar qui est confirmé par l'indice, mais on est plutôt en phase de respiration, de consolidation, et donc il va falloir attendre la petite étincelle pour se repositionner sur les paires de devises. Le kiwi, alors lui, il semble un peu plus faible. Il semble repartir à la baisse avec aujourd'hui cette bougie rouge qui a rejeté, comme les séances précédentes, cette moyenne mobile à 13 périodes qui fait office de résistance sous cette droite de polarité à 0,6868. Donc biais baissier là encore sur le kiwi. C'est peut-être la devise la plus faible. Et si on se place, hop, ici, on voit qu'il y a un support en 1 heure qui s'est matérialisé sur 0,6770. Donc, si on clôturait sous 0,6770, on pourrait peut-être tenter un short avec un stop au-dessus de cette résistance horaire qui a été touchée à 3 reprises,
une fois ici, une fois là et une fois là, donc qui est solide et qui se situe sur 0,68, 0,7. On a là un bon risk-reward, puisqu'on irait chercher à minima 0,6740, et même, je dirais, même si ça se passe, on viserait un objectif plus bas, une reprise de la baisse. Et vous voyez, 0,735, si on revient là-dessus, on pourrait aller, on pourrait aller beaucoup plus bas, mais c'est sûr que ça sera un support. Donc, sous 0,6770, pour résumer, on regarde des positions short qui seraient confirmées sous 0,6735. Donc, on peut éventuellement ouvrir une position sur clôture sous 0,6770. Le stop se place à 0,6807 et compléter la position si jamais on cassait 0,6735. Alors, le risque, effectivement, c'est la Banque centrale américaine. Est-ce qu'il faut se positionner avant? C'est pas forcément recommandé. Donc, méfiance quand même, et pour l'instant, de toute façon, le signal, on ne l'a pas. Les devises en yens. Alors, le dollar yen, vous voyez, hein, toujours cette évolution horizontale, avec cette résistance à 114 qu'il faudra surveiller, et un support à 112,73. Alors là, ça m'étonnerait beaucoup que l'on bouge avant la Fed après-demain. La réunion de la Fed, c'est sur 2 jours, mardi, mercredi, mais il y aura un compte rendu que mercredi soir. L'euro-yen baissier aussi. Cette tentative de rebond a complètement échoué avec cette ligne de contre-attaque, en tout cas d'avalement. Mais pour l'instant, on est en complète stagnation là aussi. Et on va aller voir l'euro suisse, parce que je sais que beaucoup d'entre vous le regardent. L'euro suisse qui est toujours dans un schéma de baisse. La Banque centrale de Suisse se réunit aussi jeudi, hein. Donc méfiance. Et donc un biais baissier aussi et une résistance à 1,0455. Mais encore une fois, je ne me positionnerai pas sur l'euro suisse, sauf si vous y êtes déjà. Dans ce cas-là, le stop se place au-dessus de 1,0455. Mais se positionner là juste avant les réunions des deux banques centrales, de la BCE et de la BNS, ça paraît un petit peu rejoindre le casino. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous ai donné des niveaux à surveiller parce que effectivement tous les opérateurs sont dans l'attente de la réunion de ces banques centrales qui vont être le catalyseur des prochains mouvements sur l'échange. Donc ça peut bouger vite et fort ou pas, si jamais les banques centrales tiennent le discours qui est attendu par les marchés, surtout à la veille de Noël. Donc il est difficile de faire autre chose que d'attendre, parce que vous voyez bien que les principales paires de devises sont en stagnation depuis 3, 4, 5 séances, et donc qu'il n'y a pas vraiment de direction, et que tout le monde campe sur ses positions. On ne renverse pas les positions pour autant. Les gens qui étaient short ne sortent pas vraiment, puisque les biais qui prévalaient, notamment haussiers sur le dollar, continuent à être présent, on le voit bien, mais il n'y a plus d'accélérateur parce que personne n'a envie de nouveaux arrivants n'ont envie de se positionner sur le marché avant des réunions aussi importantes et susceptibles de faire bouger le marché. Donc demain il y aura deux petits chiffres quand même à surveiller, genre notamment sur l'inflation aux États-Unis, je crois, de mémoire, et avant donc mercredi, le début des festivités des banques centrales. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Début de semaine donc calme, mais ça risque de s'accélérer. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne après-midi, de très bons trades.
À demain.